Voici notre grande mission, évangéliser le monde. Combien d'entre nous accomplissons vraiment cette mission que le Seigneur nous a ordonnée? Combien d'entre nous nous soucions-nous du monde et de ceux qui ne sont pas sauvés? Le Seigneur nous a demandé d'aller, parce qu'il savait très bien que les hommes ne viendraient pas là où nous sommes. Mais c'est à nous d'aller les rencontrer, afin de leur annoncer la vérité. Si nous n'évangélisons pas, nous passons à côté de ce pourquoi nous sommes sauvés. Nous passons à côté de ce pourquoi nous sommes l'Église. Nous passons à côté de ce pourquoi nous nous devons de glorifier Dieu au travers de Christ. À l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pouvait autant prêcher dans les synagogues que dans les rues, nous devons nous aussi aller au dehors et ne pas nous contenter d'annoncer la parole dans l'Église. Nous avons été ordonnés par le Seigneur comme ambassadeurs et en tant que tels, nous devons représenter Christ dignement. Nous ne devons point avoir honte de lui, nous devons point craindre les hommes, mais annoncer la vérité de l'Évangile pour la gloire de son saint nom. Si nous avons été appelés, c'est pour le glorifier. Si nous avons été appelés, c'est pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.